Bonjour madame, c'est intéressant monsieur. Si vous allez. Donc nous voici arrivés dans la maison de quartier centre-ville Pont-Morino, c'est ça ouais, hein? Tout à fait. Ouais. Il se passe des belles choses ici, là vous avez beaucoup d'activités. Ouais, plein de choses. plein de choses justement, j'étais devant le planning du coup en lien bien sûr avec le déconfinement, le planning forum social club qui se passe pour l'instant sur inscription, mais d'une manière générale à la maison de quartier. On parlait tout à l'heure de photos, mais il y a bien plus de choses que ça. On peut y faire toutes sortes de choses, dans des ateliers, encadrés par des référents bénévoles, et puis des professionnels. Il y a différentes choses. Alors, on y danse, on fait le Feldenkrais, on fait du tricot, du patchwork, de l'atelier mémoire, du théâtre. D'ailleurs, venez donc, on va rentrer. Ah ben, on va rentrer avec plaisir, alors. On vous suit. Voilà, donc on y fait de nombreuses expos. D'accord, le grand hall, on est accueilli par le grand hall d'exposition. Voilà, tout à fait, dans le grand hall. Donc là, c'est donc l'exposition d'un atelier, mais parfois il y en a d'autres. L'atelier Patchwork fait des expositions, et puis surtout, c'est le lieu où la maison de quartier accueille des artistes pour le bonheur de tous nos adhérents et des autres visiteurs qui veulent bien franchir notre porte. Très bien. Voilà. Très bien. Voilà, donc tout le monde ne me connaît pas, mais oui, Catherine Rondelin, je suis une déco présidente de la maison de quartier Pont-Morino, centre-ville Pont-Morino, avec Pierrette Maté et Paulette Aubré. Donc on est vraiment content d'avoir cette expo photo dans les dates prévues, malgré ce moment assez particulier que nous vivons tous avec ce vilain microbe. Voilà, donc les murs sont quand même avec des photos numériques et argentiques, puisqu'ici à la maison de quartier nous avons deux ateliers depuis très longtemps. Les argentiques, on est là, depuis quasiment l'origine de la maison de quartier, et les numériques un peu moins longtemps, mais ça commence déjà à dater. Voilà. En fait, vous pouvez peut-être enlever votre masque pour parler, peut-être, non, ce sera plus pratique. Voilà, ah oui, c'est mieux comme ça. Parce que là, on a quand même, on est en distance. Là, ça marche mieux, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Puis, oui, grosso modo, l'atelier photo, vous, c'est plus la photo numérique. Nous, c'est donc plus... là, vous, cette année, il y avait un thème, hein, c'est ça? Alors, le thème, c'était scène de rue. Ouais. Scène de rue, donc on a un thème par an. Et puis on est une quarantaine dans le club à peu près, dont 6 argentiques et puis le reste, c'est-à-dire 34 numériques. Ouais. Alors après, c'est au début de l'année, après ça bouge un petit peu, mais ça, il n'y a pas beaucoup de défections sur l'année. Et on produit une photo chacun. Voilà. D'accord. Mais après, c'est compliqué à. Mais il y a ça, c'est pour l'exposition. Après, vous faites pas que ça au cours de l'année, quoi. Voilà. Ah, mais bien sûr que non. Ouais. Il se passe plein de choses dans l'atelier. Christian Boisseau, qui est pas là, qui est notre. Ouais, le référent de la. Donc, il anime ça un petit peu pour de manière à trouver des thèmes tous les 15 jours où on se rencontre. D'accord. Et puis, donc on travaille sur des thèmes, on se monte des photos, etc. Ouais. Et on travaille plus particulièrement sur des thèmes. On essaye d'avoir des activités avec d'autres clubs, entre autres ceux de Dolmondeville dont on vient de parler tout à l'heure ou dont on va parler.
Et puis, cette année plus particulièrement, on a travaillé, comme on était confiné, autour du confinement, on a fait des expositions virtuelles, donc on en a fait 6. Voilà. D'accord. La sixième arrive. D'accord, donc c'est un atelier qui est très actif et voilà, toujours en innovation. Et des fois dans les ateliers. Alors les ateliers, c'est plusieurs fois dans la semaine, c'est ce que c'est. C'est tous les, une fois tous les 15 jours. C'est tous les 15 jours pour ce qui concerne les numériques, les mardis. Ouais. Et puis le soir. Et puis pour les argentiques, il y a deux fois par semaine. Oui, oui. Enfin, chacun vient une fois par semaine, en fait. Voilà. Mais le laboratoire est ouvert et le mardi et le jeudi. Voilà. D'accord. Et quelquefois, vous avez un invité, je crois, qui vient participer. Oui, mais on essaye d'avoir deux invités par... Un photographe. Des photographes professionnels qui vient discuter avec nous, ouais, qui nous présente son œuvre, ce qu'il fait. D'accord, voilà. D'accord, très bien. Ah oui, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Auguste. Je vous en prie. Voilà Philippe Turpin qui fait lui aussi, il fait partie de l'atelier photo numérique de la maison de quartier. Et en fait, quand on fait une nouvelle exposition tous les mois, en principe, on change et on a une petite mini exposition dans l'espace orange, on va vous montrer tout à l'heure. Et c'est une des personnes de l'atelier photo qui présente une mini petite exposition de 6 photos. Hein. C'est ça Philippe ? Une série de 6 photos. Donc là, comme là, c'était un petit peu la photo de rue aussi. C'est pour ça qu'on l'a assemblée avec celle de général de l'atelier photo de cette année. Voilà. Très bien. Donc l'invité d'honneur, ça va être toi, voilà, en quelque sorte. Exactement. Tu peux le répéter souvent. Donc là, tu fais tes petits montages avec les Marie-Louise, cadre, dans les petits cadres, voilà. C'est toujours les mêmes cadres qu'on utilise à chaque fois, un même format. Alors oui, on a deux formats, en 4 tiers et puis en 3,5, là, c'est du 4 tiers. Très bien. Donc là, nous sommes dans le petit espace Joe Gallet. Et puis, donc c'est ici que se passe la mini petite exposition des adhérents de la d'une série de photos sur un thème. En fait. Voilà. Donc c'était un petit peu en relation aussi avec l'exposition générale sur le thème de la rue. Toi, c'était. Voilà, on change tous les mois, chaque changement de la grande exposition change. Et là, comme c'était l'exposition concernait la photo de rue. Et que moi, c'était le thème de ma série, c'était la photo de rue aussi. Donc, on a classé ça en même temps que l'exposition de la rue. Voilà. Voilà. Et toi, ça fait longtemps que tu viens à l'atelier photo de la maison de quartier ? Oui. Je ne sais plus combien de temps, c'est 6 ans, 7 ans. D'accord. Au moins. Mmh. Et toi, tu as toujours fait de la. Enfin, tu es passé tout de suite au numérique, en photo, ou tu as fait de l'argentique avant ? J'ai commencé tout petit, moi. Ah, d'accord. Avec des appareils photo d'accord. Argentiques. Ouais. Après les diapositives et tout ça. Mais des appareils photo qui étaient très peu sophistiqués à l'époque. Hein. Mm-hmm. Donc, ah oui, c'était même pas des réflexes ? C'était des réflexes, si. Mais qui étaient vraiment ce qu'on appelle semi-automatique. Hein. D'accord. Il y avait une cellule intégrée. Ouais. Quand j'ai dû même commencer avec des choses sans cellule intégrée, sans autofocus, sans... Mmh. Voilà. D'accord. Et tu faisais tes tirages, tout ça ou non. C'était... non, tu le faisais chez le photographe. C'est ça qui m'a un petit peu...
rebuté à l'époque d'ailleurs. Et en fait, c'est peut-être ce qui t'a amené après à faire du numérique, du coup, pour exploiter. Quand le numérique est venu, moi qui m'intéresse à l'informatique, ouais. Ça, les premiers appareils numériques, j'en avais déjà un. Quoi. D'accord. Même des appareils qui étaient complètement. D'accord. Et là, tu fais tout le traitement, du coup, du cliché jusqu'au tirage, voilà. Etc. Donc, c'est plus intéressant, j'imagine. D'accord. Donc, voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est pratiquement toutes les photos, sauf ces deux-là, ont été faites pendant un stage qui a été animé par Tim Fox. Tim Fox est un photographe qui habite à Nantes, mais qui est d'origine anglaise, et qui animait un stage justement sur Paris. Donc voilà, j'ai fait toutes ces photos pendant ce stage-là, de ce temps. Alors j'avais connu parce qu'il est venu à l'atelier photo faire des présentations de son travail et de animer un atelier de photos de rue avec nous. D'ailleurs, j'y pense, ce serait une bonne idée de le faire venir pour qu'il expose. Ben ouais. On aime toujours les bonnes idées. Pour qu'il expose et ici. Les idées, et puis justement profiter du fait d'avoir des relations comme ça, et puis faire des propositions. Ouais, je pense que ouais. Lui, pendant le confinement, il a changé complètement de style. D'ailleurs, c'est marrant. Voilà.